Alors, monsieur l'huissier, veuillez nous enlever ces dossiers. Oui. Les jugements sont rendus et nous donner un dossier suivant. Le dossier numéro 9 du procureur. Bon, monsieur. Vous êtes poursuivi devant le tribunal correctionnel par monsieur le procureur à Pontaut-Combault le 6 janvier 2010. Vous avez conduit un véhicule à moteur sans permis, puisque votre permis avait été annulé en raison du retrait de la totalité des points. Également, vous avez utilisé, lorsque vous êtes fait contrôler, le nom de Sylvain, un de vos amis, oui, qui a le permis de conduire. Et donc, vous êtes dit, comme vous savez que les policiers vérifient au fichier national des permis de conduire, vous avez donné l'identité de cet ami qui a le permis en vous disant, ils vont vérifier, ils vont me laisser repartir. Bon, là, la récidive légale est visée, car vous avez déjà pris le nom d'un tiers, pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Donc, la récidive est visée. Et enfin, le véhicule n'était pas assuré, donc vous êtes poursuivi pour un défaut d'assurance. Bon, alors, ça se passait à 12h15 le 6 janvier. Votre plaque d'immatriculation était illisible. Donc la police de la route décide de vous contrôler et vous vous arrêtez. Hein, et puis vous déclarez spontanément l'identité de votre ami, Sylvain. Vous aviez pris le soin de connaître sa date de naissance par cœur. Et vous n'avez pas bafouillé, hein, lorsqu'on vous l'a demandé, vous l'avez dit de manière très spontanée, assez convaincante. Et donc, dans un premier temps, les fonctionnaires de police vous ont cru. Vous circuliez sans assurance, et vous avez donc été emmené au commissariat. Comment les policiers se sont rendus compte du mensonge? Je leur ai avoué au bout d'un moment. Lorsque vous avez été passé en garde à vue pour le défaut d'assurance, c'est ça? Et j'étais pas en défaut d'assurance, j'étais bien assuré. Vous étiez bien assuré? L'officier de permanence. Vous leur avez avoué lorsque vous avez été amené au poste de police? Juste avant de rentrer. Au poste de police? Oui, monsieur. Là, oui. Donc vous leur avez avoué que vous n'aviez pas le permis, que vous aviez pris le nom de Sylvain pour tenter d'échapper à la poursuite. Hein. Vous saviez que vous n'aviez pas le droit de conduire. Hein. Et oui, je vois que vous êtes inscrit dans une auto-école. C'est, hein. Vous êtes inscrit? Oui, je passe la conduite dans 2 semaines. Vous passez la conduite, donc vous avez eu le code? Oui, je l'ai obtenu. Vous avez eu le code. Hein. Bon, alors au casier judiciaire, je vois beaucoup d'infractions. 2004, recel de vol, crime pour enfants, vol à molestation 2005, vol avec dégradation 2006, escroquerie en 2006, conduite sans permis en 2006, usage de stupéfiants en 2006, recel de vol en 2007, vol en 2007, vol en réunion en 2007. Tout ça, c'était le tribunal pour enfants. Le 25 mai 2007, tribunal correctionnel, 7 mois de prison pour vol en réunion, infraction stupéfiant. 2007, vol aggravé. 2008, conduite sous l'empreinte alcoolique. 2009, 4 mois d'emprisonnement pour défaut de dégradation. Et 2009, Versailles, 6 mois de prison pour vol aggravé. Vous avez un casier de multirécidiviste, vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un casier avec de multiples infractions comme ça, monsieur? Des explications. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis vendeur. Oui. À quel endroit vous êtes vendeur? À Bastille. À Bastille. À Bastille. Qu'est-ce que vous vendez, monsieur? Des téléphones. Des téléphones. Bon. Donc, actuellement, vous avez un contrat de travail? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le nécessaire. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur ces faits qui vous sont reprochés? Mais écoutez, non, c'est pas pardonnable. En tout cas, j'étais pas en défaut d'assurance. Vous n'étiez pas en défaut d'assurance? Non. Vous avez justifié la prime d'assurance? Bah, eux-mêmes l'ont vérifié. L'officier l'a vérifié le lendemain. Pourtant, je vérifie, vous avez bien été poursuivi pour défaut d'assurance. Oui, le 6 janvier 2010. Je n'étais pas en défaut d'assurance. Vous l'avez ici, la prestation d'assurance? Non, monsieur, parce que j'ai plus le véhicule, il est mobilisé depuis. C'est-à-dire ils m'ont saisi le véhicule. Je ne vois pas l'attestation d'assurance. Vous l'avez remis aux enquêteurs? Elle n'était pas dans la voiture et ils ne m'ont pas demandé de la ramener le jour suivant, donc je ne l'ai pas ramenée. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas en justifier? Non, monsieur. Ah oui. Mais je suis pas assez inconscient pour rouler sans assurance. Je vais prendre votre déposition. Je vais bien voir ce que vous dites. Hein. C'est vrai que c'est très grave de rouler sans assurance. Ah oui. Alors, vous avez d'abord été entendu sous l'identité de Sylvain l'identité qui a été usurpée. Vous reconnaissez les faits de conduite sans permis. Votre véhicule est-il assuré? Êtes-vous à jour de vos cotisations? Réponse, non, le véhicule n'est pas assuré, je n'ai pas souscrit de contrat. Vous avez fait cette déclaration sur procès-verbal, ça fait foi jusqu'à preuve contraire, monsieur. Au nom de... Ben oui, alors, au nom de monsieur Sylvain. C'était-vous, monsieur Sylvain? Je pensais qu'ils allaient me relâcher. Voilà. Enfin... Bah oui, mais alors... Mais le véhicule était bien assuré à mon nom. Alors ensuite, vous êtes entendu sous votre véritable identité. Je reconnais avoir menti tout à l'heure concernant mon identité en raison de mon passé judiciaire. Je ne suis plus titulaire du permis. Concernant l'assurance du véhicule, en fait, celui-ci est assuré auprès de la Massif. Bien sûr.
je ne connais pas le numéro de contrat. Donc, quand vous usurpez l'identité et vous mentez, vous dites, eh oui, mais vous reconnaissez le défaut d'assurance en disant comme ça, je vais pas faire de garde à vue. Hein. C'est ça, c'est... Voilà. Ah, vous êtes un... il est bien expérimenté. Hein. Il sait que plus vite il va reconnaître, plus vite il va sortir de garde à vue. Hein. Alors, vous dites, c'est pas grave, ça sera monsieur... Comment il s'appelle, monsieur... Sylvain. Oui, monsieur la... qui va prendre, quoi. Alors, il dit, oui, ben oui, le défaut d'assurance, mais il n'est pas assuré. Comme ça n'est jamais arrivé de... Il dit, ça va... je vais te sortir plus vite, quoi. Puis après, il change d'identité, il contester parce qu'il se dit, oh là là, si je prends un défaut d'assurance, plus. Il faudrait peut-être arrêter de mentir, monsieur. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez arrêté de mentir. Bah, écoutez, maintenant... Donc voilà le problème auquel vous êtes confronté, monsieur le procureur. Sous une fausse identité, l'individu reconnaît le défaut d'assurance. Sous sa vraie identité, il dit que le véhicule est assuré. Si le véhicule était assuré, et bien sûr, à un moment, en tant que deuxième conducteur. Et le permis, je venais de le perdre deux semaines auparavant. Je l'ai perdu, c'est pas moi qui l'ai perdu mon permis. C'est en sortant de détention, j'ai prêté mon véhicule à un ami qui a roulé avec et qui a perdu ma totalité de points. Donc je n'ai pas pu contester car j'étais pas là, j'étais incarcéré. La raison de plus, si vous êtes incarcéré, vous pouvez pas conduire, monsieur. Voilà. J'ai pas contesté. Donc j'ai Vous auriez dû contester, monsieur. Vous êtes en détention, vous pouvez pas avoir commis des contraventions. Voilà, mais l'annulation était déjà mise. L'annulation de permis était déjà effectuée. Alors vous renoncez à faire valoir vos droits. Hein. Et vous préférez mentir au service de police et trouver des solutions, parfois illégales. Donc là, je suis en train de... Là, vous êtes en train de repasser votre permis. Hein. Ça y est, je l'ai... Il vous reste la pratique. Avez-vous des questions complémentaires, monsieur le procureur, à poser ? J'ai voulu savoir quels étaient les revenus de en tant que vendeur. 1000 euros. 1000 euros, donc je donne 500 euros par mois déjà à l'État. Pourquoi ? Je suis en semi. Comment ? Pourquoi 500 euros par mois à l'État ? Parce que. Selon mon casier judiciaire. 500 euros ? Toutes les amendes que j'ai. Ah, pour payer les amendes, oui, c'est ça. Préjudice. Pour escroquerie en 2009. Monsieur le procureur, vos réquisitions, je vous remercie. Donc, monsieur est poursuivi pour cette conduite avec l'injonction de restituer son permis par. Donc, invalidation par perte de tous ses points. Il a pris le nom d'un ami pour échapper à ses responsabilités. Le défaut d'assurance, il est poursuivi également pour cela. Donc, tenant compte de l'ensemble de ces faits, je requiers une peine de 60 jours amende vu les nombreuses condamnations antérieures de M. Munier. Tenant compte de la faiblesse de ses revenus, je requiers que chaque jour amende soit d'une valeur de 5 euros. Je requiers, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule. Et pour la prise du nom d'un tiers où la peine se cumule avec les peines pour des autres infractions, je requiers 3 mois d'emprisonnement puisqu'il se trouve en récidive de ce comportement. Avez-vous une dernière chose à ajouter pour votre défense ? Écoutez, là, je suis en train d'effectuer 22 mois de prison ferme. J'attends la réponse après-demain au tribunal de Melun pour faire un aménagement de peine. Un aménagement de peine de 22 mois qui sera, je ne sais pas, effectué parce que vu que je suis déjà en récidive. Maintenant, avec la nouvelle loi, c'est un an. Ménageable. C'est 2 ans maintenant. 2 ans. Les peines d'emprisonnement jusqu'à 2 ans peuvent être aménagées. Vu que je suis en récidive, je ne sais pas si ça va être accepté. Vous avez été condamné. Le total, ça fait 22 mois. Bon, 22 mois. Vous verrez ça avec le juge d'application des peines. J'ai rendez-vous après. Oui. Voilà. Je vous demande, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous demandez ? Je ne vais pas me mettre une condamnation ferme, s'il vous plaît. Pas une condamnation ferme en plus. Oui. Je ne recommencerai plus. Vous prenez cet engagement ? À 100%. Bon, à 100%, madame le greffier. Je suis encore jeune, j'ai 21 ans. Voilà. Je viens de faire 3 détentions, ça m'a assez suffi. Alors, patientez, la décision sera rendue après la suspension d'audience. Merci. Tribunal. Bon, l'audience correctionnelle est reprise. Venez vous asseoir. C'est dans ce dossier que vous avez requis la confiscation, hein, il me semble, monsieur le procureur. Oui, de l'affaire Polito. Approchez-vous, il est par là. Il est parti. Il est parti. Oui, il avait du travail. Parfait. Alors, coupable et ordonne confiscation du véhicule automobile Fiat Punto avec exécution provisoire. Pour la prise de nom d'un tiers, 30 jours amende à 10 euros. Pour la conduite sans permis, le défaut d'assurance, également coupable, et condamné à 500 euros d'amende.